Bonsoir, bonsoir tout le monde. Message du soir, bonsoir. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve ce soir. Je partage le précieux message encouragement que vous avez à recevoir. Le précieux message encouragement du soir, bonsoir, espoir. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Et on y va, c'est parti, on découvre les messages du soir. Bonsoir. Ici, allez. Respectez votre originalité. Donc ce soir, respectez votre originalité. Alors, je vais partager ensuite message carte, un message du soir dans tous vos domaines. L'écrit du soir, bonsoir. On va prendre le précieux conseil, message, encouragement avec celui-ci du soir. Alors, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, ce soir, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, ne pas hésiter à demander, de faire des prières, des demandes, des souhaits, afin que vous receviez pour que votre joie soit parfaite absolument dans tous vos domaines de vie. Donc si vous faites déjà des demandes, continuez de demander pour recevoir jusqu'à temps que votre joie soit parfaite dans tous vos domaines de vie. Maintenant, sinon, soit de continuer de demander pour recevoir, ou alors vous n'avez jamais demandé, de ne pas hésiter à demander pour recevoir. Voilà. Alors, je prends celui-ci, je vais prendre mon mien. Alors, domaine habitat. Je vais zoomer dans le domaine de l'habitat. Ah, le domaine de l'habitat d'une personne. Domaine habitat d'une personne. Allez, domaine habitat d'une personne. Celui-ci, je prends elle. Elle habitat celui-ci, donc c'est le mien. Elle habitat et on y va. Alors ici, alors, pour votre habitat, donc je zoome dans l'habitat d'une personne et je partage tout ce que je peux partager. Il peut y avoir pour une personne, c'est lié à votre décoration intérieure. Je peux avoir une rentrée financière qui arrive sur votre. Vous allez avoir une transformation de votre financier. Pour que vous puissiez décorer votre intérieur, chouchouter votre intérieur, vous faire plaisir. Vous avez peut-être prié, fait des demandes, des souhaits, selon vos croyances, prière, demande, souhait, vous avez demandé peut-être à recevoir pour que votre joie soit parfaite, que vous soyez en joie, une parfaite joie liée peut-être à de la décoration intérieure de chez vous. Vous allez recevoir une aide pour bricoler, ça peut être des précieux conseils, une aide pour bricoler, pour décorer. Peut-être que vous allez décorer votre intérieur, vous allez peut-être aussi bricoler, hein, ça peut être aussi des petites tâches au sein même de votre chez vous. Il va y avoir une transformation de votre financier pour que vous soyez en joie parfaite sur votre situation, une rentrée financière qui va vous permettre embellir votre chez vous. Il va y avoir un changement, une transformation de votre financier, une transformation aussi de votre décoration intérieure qui va être là, qui va être possible. Et vous allez avoir une aide pour bricoler. Une aide pour bricoler.
Alors, je complète avec celui-ci. L'idée à cette décoration d'intérieur aussi de respecter aussi votre originalité, d'y mettre une touche d'originalité. Alors, l'aide à bricoler, c'est peut-être vous avez besoin d'aide pour pouvoir bricoler, décorer, transformer, changer votre décoration intérieure. L'aide, là, c'est net. Pour moi, ça va être du financier. Après, ça peut être aussi des précieux conseils. Hein. Ça va être au printemps pour moi. Vous allez avoir une transformation financière de votre financier au printemps. Vous allez avoir des habitudes saines encore plus. Votre décoration intérieure va vous détendre. Le changement de décoration, ça va vous faire un bien fou. Et la transformation financière aussi. Vous allez pouvoir embellir votre intérieur et vous allez vous y sentir extrêmement bien. Vous allez mettre fin à votre ancienne décoration intérieure. Il y a des choses qui sont en cours, vous voyez, il y a des choses qui sont en cours. Il y a quelque chose qui arrive très vite sur la situation pour une femme, une jeune femme. Qui patiente, mais pour moi avant la fin de la semaine, donc ça peut être aujourd'hui, ce week-end. Aujourd'hui, ce week-end, ça peut être la rentrée financière. Ça peut être la rentrée financière qui arrive sur votre situation qui va vous permettre de transformer votre financier et d'embellir votre. Apporter une transformation de l'originalité. Une décoration intérieure totalement différente, embellir votre chez vous. Hein. Et pour moi, c'est avant la fin de la semaine que la rentrée financière va arriver à vous. Vous pouvez avoir une petite fille. Peut-être qu'actuellement, niveau financier, vous ne le pouvez pas. Ou alors, vous avez eu des pertes financières qui vous empêchent de tourner une page sur votre ancienne décoration intérieure. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Sur la situation pour vous et votre fille, vous êtes surprotégés et donc là il y a quelque chose qui va se réaliser. Voilà. Je vous le souhaite. Actuellement, vous êtes en pleine patience, mais là il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce que. Je ne sais plus. Sentimental. Allez. La personne de votre cœur, votre lien au milieu et vous à droite, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement sentimental. On va aller voir le message du soir. Alors là, pour la personne de votre cœur dans les semaines à venir. Là, il y a une personne qui ne vous dit pas, qui bloque ses émotions, qui bloque son amour, ses sentiments, ses envies, ses désirs pour vous, qui bloque absolument tout pour vous, mais qui étouffe de l'intérieur parce qu'en fait, la personne est folle amoureuse de vous. Hein. Et vous aussi, c'est bloqué. Les émotions, vous ne vous dites rien là sur le lien, on se dit rien. On explose d'amour. Vous avez une flamme, un amour. Flamme, sentiment, émotion pour la personne de votre cœur. C'est une flamme intérieure étincelante. Alors, dans les semaines à venir, pour la personne de votre cœur. Dans les semaines à venir, la personne de votre cœur va récupérer de la joie et de la paix. Actuellement, il n'y a rien qui bouge sur votre lien entre vous. Vous pouvez peut-être pas faire une route l'un vers l'autre, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, un voyage. Vous ne pouvez pas bouger, vous déplacer autant la personne de votre cœur que vous. Vous êtes en train de guérir de vos blessures.
La personne de votre cœur va récupérer de la joie et de la paix dans les semaines à venir, liée à quelque chose qu'elle ne peut pas bouger vers vous, elle ne peut pas s'actionner vers vous. Elle est littéralement bloquée. Alors c'est volontaire, ça peut être d'elle-même ou alors les une ou plusieurs personnes autour d'elle, hein. Qui l'empêche d'avancer. Vous allez avoir un renouveau sur votre lien. La personne de votre cœur veut un renouveau et vous aussi. Vous êtes en train de guérir de vos blessures et aussi des fausses relations et des trahisons. Ça peut être connu, inconnu dans tous vos domaines de vie. Vous voyez, actuellement, la personne de votre cœur, elle est bloquée pour se déclarer. Elle peut pas s'actionner pour déclarer des mots d'amour. Vous se déclarer sa flamme, tout son amour pour vous. Elle va retrouver une santé, une guérison dans les semaines à venir, de la joie et de la paix aussi. Parce qu'elle va se libérer, ça peut être d'une personne, d'une situation, d'une personne. D'un événement en fait qui la bloque. Ça va lui faire reprendre de la joie et de la paix et elle va retrouver une santé, elle va se sentir guérie, elle va se sentir beaucoup mieux dans sa santé, dans son bien-être aussi. Et vous avez un amour éternel infini, autant l'un que pour l'autre. Actuellement, vous n'êtes pas ensemble. Je peux avoir des énergies tierces, soit pour la personne de votre cœur, soit pour vous. C'est la fin des disputes jusqu'au règlement de compte. Ça va être bloqué soit dans la famille, dans les amis. Ça peut être aussi belle famille pour la personne de votre cœur ou vous. Tout va être bloqué et gelé pour que vous puissiez vous réconcilier et discuter dans moins d'un mois. Donc là, déjà, dans les semaines à venir, la personne de votre cœur va se sentir mieux en joie, dans la paix. Elle va se sentir mieux dans sa santé, dans son bien-être. Et après, tout va être fait pour que vous puissiez. Elle va se libérer d'un lourd poids, la personne de votre cœur. Et ensuite, vous allez pouvoir tout vous dire. Bouger l'un vers l'autre, tout vous dire. Il va y avoir un nouveau départ ensemble. Je vous le souhaite. Allez, ensuite, je partage. Allez, trois cartes professionnelles. Professionnelles. Je vais zoomer dans la situation professionnelle financière d'une personne et on voit tout ce que je peux partager avec vous. Alors, ici. Il va y avoir la signature de quelque chose. Il y a un contrat, il y a la signature. Ça peut être un contrat, ça peut être une signature, ça peut être un devis, ça peut être une commande, ça peut être selon l'outil. Si vous travaillez avec des robes, ça peut être une robe, une vente de robes. Si vous travaillez avec des bracelets, ça peut être une vente de bracelets. Voilà. Selon, je vais dire outil, mais c'est pas un outil, mais c'est pour que vous compreniez en fait, parce que c'est vraiment du général, donc c'est à titre indicatif, mais selon l'outil avec lequel vous travaillez. Là, si c'est un livre, ça peut être un livre aussi. Vous allez signer en tout cas quelque chose, une bonne nouvelle dans votre professionnel. Là, vous êtes bloqué dans de l'instabilité, il y a du déséquilibre, hein. Il y a peut-être un déséquilibre, ça peut être au niveau de vente. Ça peut être de ventre, ça peut être vente, etc., etc. Si vous faites des ventes, au niveau des ventes, il peut y avoir un déséquilibre. Vous pouvez travailler peut-être en famille. Vous allez attirer à vous ce dont vous désirez, donc vous allez sortir de l'instabilité. Et vous allez avoir beaucoup de chance. Donc c'est la fin de l'instabilité. Vous allez sortir de l'instabilité. Vous allez avoir un retour à de la chance au sein même d'un travail. Peut-être que c'est un travail. Peut-être que là, vous ne travaillez pas avec de la famille, mais c'est
Peut-être une passion commune dans un travail, ça peut être la confection de robes que vous vous transmettez de génération en génération, ou voilà. Ça peut être des savons, ça peut être. Vous voyez, vous allez être tranquille. Ce qui arrive pour remettre la situation en équilibre liée à signature, ça peut être aussi, vous travaillez peut-être avec des devis, des devis, ça peut être des contrats, ça peut être des ventes. En tout cas, tout ce qui arrive sur la situation pour rééquilibrer la situation, vous sortir du blocage, ça va être chanceux et ça va vous apporter de la tranquillité. Vous allez être serein, sereine. Actuellement, vous êtes bloqué, vous êtes en pleine patience, mais tranquillisez-vous, même dans la patience, le temps que ça arrive pour rééquilibrer la situation, hein. Vous allez sortir du déséquilibre que vous rencontrez actuellement. Pro, après, qui a un impact aussi sur le financier, perso et ou pro, hein. Et aussi selon les situations bancaires, hein. Ici, je peux avoir, vous allez réaliser votre rêve, voyez? Vous avez un rêve d'avoir un travail dans l'équilibre, dans la chance, dans la tranquillité, dans la sécurité, et vous allez réussir. Vous allez faire. Là, vous pouvez vous concentrer. On vous recommande de vous concentrer parce que vous, là, vous allez pouvoir. Prenez ce temps, le temps de patience, parce que c'est en train de. Vous êtes en train de tranquillisez-vous. Vous allez réaliser un rêve. Prenez de. Enfermez-vous. Enfin, enfermez-vous. Voilà. C'est juste. Prenez ce temps-là où ça, le temps que ça se réalise. Prenez ce temps pour. Pour réfléchir à de la nouveauté que vous pourriez apporter dans ce projet. Il y a de la nouveauté. Vous êtes peut-être déjà en train de travailler sur de la nouveauté, donc de continuer. Vraiment, il y a de très belles choses qui vont s'ouvrir, et même à distance, voyez? Vous allez peut-être même pouvoir vendre à distance, à l'étranger. C'est peut-être ça le rêve, hein, aussi, hein. Il y a quelque chose qui peut partir aussi à l'étranger, hein. Vous voyez, ça va évoluer, hein, vers des choses très fécondes, et vous êtes tombée encore plus fou, folle, amoureuse de votre travail. Je vous le souhaite. Ça peut être des robes, ça peut être des sacs, ça peut être. Ça peut être des devis aussi, hein. Ça peut. Là, si ça vous parle pour des devis, ça peut être des devis, ça peut être des bons en commande, ça peut être. Vous imaginez tous les métiers qui existent. Je peux pas tout citer, malheureusement, je peux pas tout citer. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre que c'est aussi adaptable sur d'autres métiers. Donc là, si vous écoutez le message et vous vous dites, ah oui, mais ce message, ça me parle, c'est peut-être pour moi, mais c'est peut-être pour vous. Voilà. Allez, message du soir, bonsoir. Alors, pour une personne, donc je vous partage mon écrit du soir. Je peux avoir une bonne nouvelle qui va changer à tout jamais votre vie. Je peux avoir une bonne nouvelle en route et qui arrive. Et dans la foulée, donc vous allez avoir une bonne nouvelle qui est en route là. Ça arrive à vous, et aussi dans la foulée, vous allez avoir une rentrée financière. Ça va être pour vous allez avoir aussi dans la foulée, en plus. En plus de la bonne nouvelle qui va changer à tout jamais votre vie, vous allez avoir aussi dans la foulée une rentrée financière. Pour débuter un nouveau projet. Vous allez réussir très vite. Tout s'accélère très vite. Vous allez réussir très vite. Tout s'accélère. Vous allez aussi reprendre. Il y a une reprise aussi de liberté, de rapidité. Voilà. En espérant que tous ces messages vous ont parlé, je partage.
On termine avec le précieux conseil, message, encouragement du soir avec celui-ci. Et ensuite, je vous laisserai. Alors, voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, ce que vous cherchez, ça se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà! Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. Moi, je vous montre... Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'était un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo. J'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire, c'est gratuit. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, nuit. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À mettre des pouces. Et à mettre des petits commentaires sous la vidéo. J'adore vous lire. À très bientôt pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt!